Un double bip vient de se faire entendre. Et ça fait le deuxième de... Non, j'en ai entendu plus d'un. Là, depuis ce midi, j'en ai entendu plusieurs. Oh là, t'es à la cave. T'es au troisième sous-sol de la cave. Ça passe trop QRP de mon côté. Ah, ça y est. Ouh, ça, là, t'es remonté 4-4, 4 à 4. Les marches, t'es rendu au rez-de-chaussée. Du 54 pour moi. Heureux, puisqu'on s'est parlé tout à l'heure, j'avais pas pris mon petit déjeuner, rien. Du coup, j'ai pas du tout été au du tout été. Oh, bah tiens, je cherche déjà mes mots, moi. Ah, il va être bon le QSO, je le sens bien, quoi. Du tout prêt pour démarrer les caméras qui sont en place. Il suffisait juste d'appuyer sur le bouton, mais même ça a été trop compliqué tout à l'heure. Ah non, mais moi c'est mortel, hein, tant que j'ai pas pris le déjeuner. Hein. C'est comme une voiture, tu mets pas d'essence dedans, ça marche pas. Hein. Moi je prends pas le petit déjeuner, ça marche pas non plus. Yes! Bon, j'ai vu. Pardon. J'ai vu là que tu as commencé à m'envoyer des vidéos là. Alors, j'espère que j'ai pas fait de conneries. J'ai supprimé le dossier d'hier. Parce que bon, il n'avait plus lieu d'être là, ok? Et quand ça s'est. Pardon. Quand ça s'est réactualisé, j'ai vu que. Alors, attends. Je vais dessus. Alors, pendant que je cherche. Alors, ta balade, ta sortie, tes courses ce matin, ça s'est bien passé? Alors, attends, voilà, je viens d'arriver dessus, sur le serveur. Voilà, que ça s'affiche. Putain, pourtant il n'est pas loin le serveur, hein. Mais moi aussi ça rame. Alors j'ai vu nouveau dossier. Oh, je me suis dit, hein. Et dans nouveau dossier, je vois. Alors, 1, 2, 3 vidéos, dont une de 2,47 Go là qui est toujours en cours de chargement. C'est bien 3 vidéos, hein, pour là, pour ce matin, c'est bien ça, hein. Oui, j'ai vu que là ce matin, tu as mis en téléchargement, en téléchargement sur le serveur, 3 vidéos dans un dossier. C'est bien ça, c'est bien 3 vidéos que tu es en train d'envoyer là sur le serveur. Le dossier s'appelle Nouveau dossier. Bon, pas de problème, je sais que c'est pour hier, donc il n'y a pas de souci. D'accord, ok, 3 vidéos. Ah bah tiens, voilà, ça y est, les 3 vidéos là viennent d'arriver à l'instant. Mais bon, je verrai ça tout à l'heure, j'ai le temps. Tiens, j'ai une petite anecdote là pour toi. Hier, avec Fabienne, on regarde mon planning et tout, ça, tac, ok. On a tous les deux vu que je bossais demain, autrement dit ce soir. Pas de problème, cette nuit je me décale. Je vais au 144, 4 h du matin, pour me lever bah, tout à l'heure à midi. Et là, tout à l'heure à midi, je regarde mon planning. Oups, c'est pas ce soir que je bosse. Putain, pour un peu, j'allais bosser ce soir. C'est demain soir que je bosse. Donc ce soir, eh bien, je serai à nouveau à l'heure québécoise. Hachis trois coups. Putain, l'intelligence artificielle, c'est pas pour nous. Hein. Au secours. Oh, aïe, 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 aïe.
Ah oui, non, mais c'est vrai que moi, avec au niveau du boulot, c'est très compliqué, hein. C'est bon, ben, quand je suis en repos, ben, je suis en journée, hein, pour le coup. Je me force à mettre le réveil le matin à 7 h. Et puis quand je vais attaquer la nuit, et ben la veille au soir, je me décale jusqu'à 4 h du matin pour me lever à midi et être en forme après pour la nuit suivante. C'est alors là pour le coup aujourd'hui au secours, hein. Ouais, aïe. Ah non de Dieu, j'ai envoyé un message à Fabienne, j'ai dit putain, et en plus on a regardé tous les deux, elle me dit. Ah là on était pété de rire sur le coup. Putain, j'ai du mal à te sortir par moment, hein. Pourtant, attends que je regarde, si tout est mis pourtant. C'est un peu con. Ah oui, tu m'as. Au fait, pour le DSP, pour le haut-parleur et tout ça, tu m'as dit que tu avais bougé les fils. Ça, que ça va améliorer les choses. Va falloir que je vois ça. Parce que ça zezote encore dans le haut-parleur. Mais non, pas le tien, chez moi. Oh, chez moi, au QRA, ici en France. Non, tu sais, avec le filtre DSP, ça. Eh, mais attends, là j'entends plus. Ah si, c'est encore léger. Si, y a un petit, y a un léger retour dedans quand on prend le micro. Et c'est vrai que là, je viens de me souvenir à l'instant que toi, t'as réussi. Qu'est-ce que c'est? Oh, attends, 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est bon. C'est mon nouveau planning de boulot qui vient d'arriver. Si t'as entendu un ding-ding-ding derrière, c'est ça. Tu me disais que toi t'avais réussi à régler le problème en bougeant les fils, ceci, cela, bon bref, en améliorant la position des choses au niveau de ton secrétaire, là pour que ça fasse plus de retour dans le haut-parleur. Et là du coup moi je me suis toujours pas penché dessus, et c'est vrai que depuis que tu m'en as parlé j'y prête un peu plus attention. C'est vrai que c'est un petit peu chiant ce retour dedans, quoi. Ben oui, c'est ça, hein, ça. Attends, je suis en train, j'ai pas lancé, toi, j'ai même pas lancé les web SDR encore. Alors, Ottawa, je suis en train de voir ça. Allez, voilà. Edin, on entend à peine. Il n'y a pas de QRM là ou quoi? Ainsi. C'est que, alors attends, que je lance l'autre de Montréal-Laval, que je fasse un peu les grandes oreilles. Ah, voilà, ça monte un peu. Putain, par contre, du côté du web SDR de Montréal-Laval, il y a du QRM, non? Putain, oui, je vois ça là, sur le PC. Bon, tournant alors, ce matin, ta sortie, elle était bonne? C'est comme 6. Ouais, c'est pas costaud, hein. C'est pas costaud, mais c'est toi tantôt qui m'as fait des pointes à 5-7, là. 5-7, 5-8, pareil. 5-8, tantôt, là. Eh bien, j'ai la même chose de mon côté. 5-7 aussi. C'est 55, 57. Ouais. Et j'ai été surpris là tout à l'heure là de t'entendre de si bonne heure. Il était midi quelque chose là pour moi ici, hein. À Marc, c'est vrai que là en ce moment il n'y a que 5 heures de décalage. Eh oui, ça explique. Et en tout cas, ça passait bien depuis le mobile, hein. Mais ça a été très vite. T'as été très vite surmodulé par les parasites. Dommage que j'ai pas eu le réflexe d'enclencher la vidéo. Là, t'aurais pu voir depuis le mobile comment ça passait. Et j'étais aussi sur le 555, hein, quand je t'ai entendu passer, envoyer le QSY.
Oh putain, j'étais au niveau de l'ordinateur, en train de commencer à lancer le téléchargement des vidéos d'hier. Quand j'entends, quand je t'entends et tout ça, 27625, oh putain, je me suis levé du canapé, j'ai foncé sur le poste, QSY 27625. Ah. Bon bah là on a l'air con là comme ça là. Ou plutôt j'ai l'air con comme ça. Ah. Waouh, là ça a été compliqué, là je croyais que je t'avais complètement perdu. Là pour le coup t'étais rendu au sixième sous-sol. ça fait le yo-yo, ça fait le yo-yo en bas. Ça fait pas du yo-yo en haut, mais ça fait du yo-yo en bas. Le beau côté c'est qu'on n'a pas le Brésil, on n'a pas les Alpha Tango, on n'a pas tout ça qui vient volontairement nous perturber la fréquence. Mais bon, là, il faudrait que quelqu'un fasse un courant d'air, là, entre la France et le Québec, là, que ça puisse mieux passer. Là, c'est vrai que là, j'ai du mal, c'est compliqué, là. Montréal Centre. Ouais, ok, j'ai compris, rien de super au niveau Propag. Et pourtant, t'as eu des stations françaises ce matin, j'ai l'impression. Déjà, si je me trompe pas, t'as eu une station, c'est quoi son indicatif, déjà? 14 km 3301. Oui, il me semble que tu l'as eu en fréquence, hein, ce matin, si j'ai bien entendu. Ah, chi! T'écouteras ça dans la vidéo. C'est pas grave, t'écouteras ça dans la vidéo. Ouais, là, c'est pas évident, hein. C'est vrai que là, c'est un petit peu plus pas facile. Voilà, là je t'ai perdu là. Il est tombé de sa chaise, il est tombé à la cave. J'ai entendu la track URP. Allez, radio 1, 2, Roger Bip 3, le sentier gauche, j'ai pas eu le temps de le voir. Il est parti à la cave. Thank you.
Ok, merci pour le tour de micro. Eh bien, toi, c'est tellement compliqué de mon côté, là, que j'avais pas compris que tu répondais à quelqu'un d'autre. Donc, les 73-51 original de 14 km, 33-01, d'Andy 33, sur le sud-ouest de France, la Gironde. Ah, ça commence à passer de la WebSDR. Alors ça, je serais curieux de savoir ce que c'est, parce que ça balaye les fréquences. C'est pas bloqué au 625. Ça balaye les fréquences. On va essayer un truc. Elle est partie où ? Ah zut. Voilà. Il arrive fermé. Ok, merci. Tout ça à nouveau retourné de ce côté. Un petit coup de thune, vu que je me suis baladé. Wow. Ah, ça m'a fait monter la réception. Bon, alors, pour les bruits comme ça, là, les trucs comme ça, là, quand on regarde sur un web SDR, ou un SDR tout simplement, ben on s'aperçoit que ça se balade en fréquence. C'est alors la provenance de ça, alors là, est-ce que d'où peut venir, qui peut envoyer ça, et à quoi ça sert, quel est le but? C'est quelle est l'utilité? Il y a plein de questions autour de ces balises, de ces trucs. Ouais, il va falloir creuser sur internet, voir s'il y a des réponses quelque part. Ou alors, hier. Ouais, j'essaie de faire deux trucs en même temps, ça bloque. Hier, ma femme, suite à une émission vue avant-hier à la télé, un truc vu avant-hier à la télé, hein, sur une application internet, du coup, ma femme a téléchargé ça sur son téléphone, et j'en ai fait autant sur le mien. Alors, c'est un logiciel d'intelligence artificielle. Voilà. Ok. Celle-ci est en français. Alors. Et on a été bluffé par les résultats. Petit exemple, d'ailleurs j'en ai fait des captures d'écran, il y a déjà un article de partager depuis hier. Ouais, je crois que c'est pas mal au niveau de la vue. Bon, si vous voyez pas bien, de toute façon, il y a un article qui est partagé depuis hier dessus. Donc, petit test de cette intelligence artificielle. On voit le nom. Voilà, donc, le forum de la pays de Sibie francophone. Et là, il y a toute une explication de données dont on voit clairement que c'est pas un article qui a été fait sur internet, c'est vraiment une analyse
fait de cette IA. Alors là, j'ai été bluffé, quoi. C'est vraiment super comme truc. Alors l'application. Alors voilà. On a tapé chat GPT. Chat GPT, tout attaché. Et en remontant, on la trouve plus. Zut. Ah si, le voilà. Non, c'est pas celui-là. Voilà, celui-là avec le petit robot. Voilà. Alors, ces bruits de bandes, là, ces bruits qu'on entend comme ça sur les ondes, est-ce que, et là on peut se poser la question, est-ce que il n'y aurait pas quelque chose d'informatique ou je sais pas, il y a un rapport, je sais pas, il y a un million de questions là qui se posent là. Qu'est-ce que c'est au juste ces bruits? Et peut-être que je me pose trop de questions tout simplement. Mais c'est bien de se poser des questions, ça permet de se remettre en question. Et je fais des verres. Bon là j'entends quelqu'un là. Il passe plus au QRA. Si, là on domine derrière. Ouais, on le devine derrière. Écoute, ça vient des profondeurs de l'espace. Les profondeurs de l'espace, là où se trouve l'intelligence artificielle et tout ce qui s'ensuit. Et là, ça provoque un petit écho. Non, mais je suis plein de conneries aujourd'hui, moi. Ah, ils ont eu un souci. Alors nous, dans la déconnade, on appelle ça de la vache folle. Et puis vu l'illustration qu'on a trouvée là pour mettre sur les vidéos, je suis trois coups. Il est tombé de la chaise, Gilles.
Je l'entends plus. Pourtant, ça passe bien de ce côté-là. Ah ben tiens, voilà le Brésil qui arrive. Ça y est, t'es remonté de ta chaise? Ouais, ça a tourné sur les Alpha Tango du Brésil. Là, eux, toi, tu m'es arrivé très très QRP, mais tu m'y arrives encore. Et là, j'ai le Brésil qui m'arrive plein pot, là. Et là, j'ai quatre oreilles, là, en ce moment. Une oreille sur le poste, donc côté droit, pour ceux qui sont qui regardent la vidéo. Et trois autres oreilles, côté gauche. WebSDR Montréal-Laval, WebSDR Montréal-Centre, WebSDR Ottawa. Hachi. Et avec ça, j'ai du mal à t'entendre. C'est un comble. Gilles, il doit être pris sur autre chose. Là, il est pris. À tous les coups, ouais, il est pris sur ses affaires personnelles. Pas besoin de mauvaises dire. Que je cherchais tout à l'heure. Et là, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça se balade sur les ondes. Ce qui différencie bien de quelqu'un qui fait des porteuses. Par exemple. Bon, au-dessus, on s'en fout. De toute façon, après, on est trop près de la bande radioamateur. Quoique, en SWL... Pas sûr que cette bande soit plus propre que le 27 mégas. Ouais, peut-être un peu plus quand même, on va pas exagérer, mais bon. Ah,
Ah, il y a de l'activité dessus. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'y aller. Ouais, bon. Les signaux sont forts hein, quand même. Hein. J'aurais bien envie de breaker, mais bon, ils sont déjà en QSO. C'est ça, ils sont en QSO. CQO, CQO, CQDX, appel en direction. Oh, le TOS. Un petit coup de moulinette. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France en direction du Québec-Canada. Alors, si je l'enlève, CQO, CQO, CQDX. Bon, là, on a vu. Attention le Québec-Canada. Attention le Québec-Canada pour le sud-ouest de France. Ah zut, je connais ça, c'était pour moi. C'est que une boîte d'accord, ça calibre sur une très courte plage. Il faudrait que je monte en haut de l'antenne, que je vois ce qui se passe. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion pour le groupe Kilomac. Ça gazouille, mais c'est peut-être déjà des QSO en place. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Thank you.
Avoir de la FM sur le 19, il n'y a rien de plus désagréable que ça. Quoi. Ouais. Là, c'est la cour de récréation. Le canal 6. Se rejoignent le Québec, le Canada, les USA, les USA, et quand la propagande le veut bien, la 14, la 16 et d'autres QTH. Putain, Kong, j'ai entendu le Québec là juste avant de prendre le micro. Ouais, c'est bon. Les 73, la 9 de la 14. Les 73, 51, les stations de la 9 de Dundee 33 sur le sud-ouest de France. Ah, c'est bon ça! Oh, c'est très compliqué de mon côté là, j'ai un peu de mal à sortir. Les 73-51, retournez à tous. Alors, il est 4 ans moins 10, donc 5 heures de décalage, 11 heures moins 10. Zut. Attention à les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel. Wow. Attention à les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel depuis le côté Saint-Émilion. Question la bataille. Alors, la propag faisant, beaucoup en ce moment ont migré là sur la BLU.
peu importe que ce soit normaux ou supérieurs. Beaucoup ont vraiment migré en haut, le temps d'eux, quoi. C'est profiter du temps présent. Au détriment des QSO locaux, et ça, c'est bien dommage. Alors, les OM, quand il y a une petite baisse de tension, baisse de propague, n'oubliez pas les QSO locaux, là, ceux du côté des 40 canaux. Ça, c'est vraiment cool. Et puis, descendre de ce côté-ci sur les 40 canaux normaux, voire en AM, comme là je fais, ça n'a jamais mis un poste en panne. Certains se sont amusés à affirmer ça. Comme d'autres disent que le bruit de la FM, ça leur casse les oreilles. Moi, je veux bien. Mais... je vois pas où ça casse les oreilles. Vraiment pas. Je crois que tout le monde a compris sur cette dernière affirmation. Ah. Ouais, un Roger Beep. Les 73-51, la station de Dundee 33, à côté de entre Saint-Émilion, question la bataille. Ça, j'ai l'impression que c'est un bip local. Ouais, ça marche bien la station de Roger Beep. Je décode pas, quoi.
J'ai jamais appris, ou alors très, très légèrement, l'anglais à l'école, depuis le fond de la classe, à Chi. Cette mitraillette. Attention, les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion, question la bataille. Là, se retrouve tout à l'heure. Bon, il y a eu un bref passage du Québec. Là, j'ai reconnu les OM. C'est... Ils ont un groupe Messenger, justement, là, pour ça. Et dans d'autres vidéos, je suis venu déjà là sur le canal 26. Donc, tous les francophones, tous sur le canal 26, ça leur fera super plaisir, justement, d'avoir la 14. Parce que si nous, sur la 14, on est friands du Québec, eux, sur la 9, ils sont friands de la 14. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 33 01 Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, au département de la Gironde. Au niveau réception, dans l'idéal avec les web SDR, ça serait que et bien, du moment que là, on navigue ici, il y ait en parallèle une connexion sur les différents web SDR du monde, et qui, suivant là où on est, tout ceci, ce qu'on entend, et tout ceci, cela, bon, déjà qu'il y ait un ajustement de la fréquence qui se fasse automatiquement sur les web SDR en rapport au poste, et qu'on soit... Eh bien, à l'écoute du monde d'un côté, mais tout en gardant ça au second plan pour laisser la priorité au poste. Ouf, là, il y a du... Là, j'ai réfléchi dur, là. Comme à chaque fois, on remarque, il y a davantage du propag du côté des 40 canaux normaux que les sup. Bah, il y a une petite logique là-dedans, mais sur une plage de fréquence aussi étroite, quand même, c'est quand même pas mal. Bon, la logique, c'est que plus on descend en fréquence, plus ça passe. Ça, c'est un fait. Et inversement, plus on monte en fréquence, moins ça passe. Mais sur une plage de fréquence comme ça, aussi courte, juste sur le 27 mégas, là, j'avoue quand même. Et voilà. C'est pas énorme, hein. Là, on voit bien la force des signaux, c'est quand même moins fort, hein. Et là, plus on monte. Ah, si, quand même. Ah.
Bon, vu comment c'est vraiment pas terrible. À la seconde même. Hein. Là, il est 16h. Je vais plutôt faire les grandes oreilles de ce côté-là. Et suivant le sens du vent, eh ben, je remonterai. Je rebasculerai en BLU, je remonterai. Ouais. Wow, j'ai pas entendu le Québec là des fois là-dessus. Ouais. Là, tu es en mobile, là, je crois, non? Si je me trompe pas. Ah, on a parlé en même temps. Je disais, là, tu es en mobile, je suppose. Bon, je vais me donner un coup de pouce avec... Ah oui, zut. Le WebSDR. 22 degrés. Montréal Centre. Par déduction. C'est moi qui déconne. Montréal Laval. Attention, 9, bravo Charlie, 555, 14 km, 33,01. Allô Houston, nous avons perdu le Québec. Bon, si, ça passe. 1, 2, ah si. Attention, 9, bravo Charlie, 555, 14 km, 33,01, Rémi qui t'appelle. Ouais, j'ai entendu dedans. Donc là, il est OK, 5 heures de moins, OK. Il est peut-être au cuir encore en fin de compte. Hein. Ouais. Bon, ça a été court, mais ça a été bon. Mais ça a été court. Il y a quelque chose dans le fond. Non. Il est parti. On verra ça tout à l'heure.